Mon minou. C'est ça qu'on appelle le procédé de sublimation en fait. Okay. La sublimation, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux instantanément sans passer par l'état liquide. Okay. Donc du coup, bah, on a l'encre qui est à l'état solide ici, et sous l'effet de la chaleur, il devient gazeux, donc il s'imprègne dans la fluidification. Donc là, tu vois, t'as ton dos. Ah, ça va être aéré, ça. Pas mal. Donc là, tu vois, t'as ton dos qui est comme ça. Donc t'as chaque empiècement. Et ensuite, ça va passer à l'assemblage. Okay. Donc tu vois, c'est vraiment, on imprime d'abord, on fait chaque morceau. Et ensuite, on fait notre assemblage. Donc là, tu vois, on a trié, tout est imprimé, c'est trié, c'est. Ouais. On sait chacun d'eux, donc après on va passer à l'étape de la couture. D'accord. Ah ouais, c'est toi qui nous les couvres, on n'a pas à le faire. Bah, on voulait vous laisser bobine et fil, mais. Oui, parce que sur la maquette, Nico avait. Excel, Charlie. Nico costaud, avait laissé Charlie. L'autre, mais du coup, tu vois, on a joué le jeu de la bombe comme pour les bah, ceux du Grand Prix de France, tu vois. Ah, c'est joli. Donc tout est pareil à la bombe, quoi, c'est stylé. En gros, parce que souvent, tu vois, on se dit c'est la pose qui compte et tout. Mmh. Mais en fait, le plus important, c'est la préparation. Nettoyer en frein, c'est le mieux. D'accord. Pas d'acétone, de choses comme ça, ça boule de colle. C'est vraiment nettoyer en frein. D'accord. Il y a un truc qu'on pense pas, souvent, on met du nettoyant frein, puis on va faire ça pour dégraisser. Ok. Ouais. Donc là ça nettoie bien, etc. Mais le kit déco, il vient dans les angles, etc. Donc il faut bien faire les angles. Tous ces trucs-là, il faut bien les faire, les arêtes. Ouais, c'est non, c'est pas... même là, tu vois, l'arête ici, tu vois, il faut bien le faire. Parce que le kit déco, il vient dedans. Mm. Et si on fait juste en surface, bah ouais, là, ça adhère bien. Mais pas dans les. Mais c'est et le plus chiant, c'est les bords. Et puis, c'est par là que ça va se décoller. Bah, c'est ça, les premiers à être attaqués, c'est tout ce qui est bordure. Ouais, c'est même l'intérieur. Ouais. Et c'était ce qu'il disait là, la couture et tout là, c'est quand même plus joli. Franchement, non, M, ok, je suis M. Ouais, moi aussi, c'est M. Ouais. Oh, nickel. Ouais, M. Ouais, d'accord. C'est le petit détail ça. Oh, panier, tu vois, t'auras le temps de faire ça. Grave. Regarde-moi. Ça ressemble à rien. Ah, ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais la casquette bah oui, en valeur. Quoi. Bah, je sais bien. La casquette rattrape. Hop là. Il peut reculer un peu ? Ah oui, oui, oui. Va falloir qu'il recule. Attends, faut le diriger, mec.
Tac. Putain, j'aurais pas le temps de faire des trucs pour Cramwin. Chier. Oula. Le frein avant, il fait la gueule. Le frein. Oh, oui. Non, 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 laissez. C'est un peu la gueule. Comment tu mets pas si elle démarre? Je suis soigné. Ouais, elle peut démarrer. Attends! Attends. Bah, il voit, attends 2 secondes. T'as déjà démarré une moto, toi? C'est les restes de nausée? Ouais, les restes de nausée d'un peu partout, là, je crois. Là. Ah, c'est une horreur. Ça fait un bruit bizarre quand on roule. Quoi? Ah, quoi? Ah, c'est... Ah, il pue ton casque. C'est dommage qu'il n'y ait pas un gars pour faire à bouffer parce que je sais pas ce que vous allez manger ce soir. Allez, arrête, tu parles, t'avances pas. Dépêche-toi parce que j'ai faim. Oui, bah tu vas aller faire tes bolognaises. Bah je finis mon pneu si tu veux. Bah voilà. Mais attends, avant que j'ai fini mon pneu. Ah bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai du matos, mais ça coupe pas. Tais-toi. Ça coupe pas ton truc de. Ouais, tu vas pas y arriver. Elle va faire 2 choses à la fois. Oh, pardon, ma toutoune. Voilà, ma toutoune. Voilà, ça y est, elle fait encore une pause. Ah. Oh, ma fille! Ah, c'est interminable! T'es pas obligé de me brûler les doigts, hein! Pousse-toi! Attends, regarde-moi! Fais voir les yeux parce que quand je vois là, comment t'as aligné les autocollants! Oh putain! Ah mon dieu! Il faut regarder de loin! De toute façon, vous allez faire recule, des trous, vous allez prendre des cailloux, alors c'est bon! Bon, on dirait que c'est le premier, ça passe. Nickel. Ladies, oui. Chez Daniel. Ah, non. Ouais. Ah, il est beau, le double. Mais ça, on va la faire pour tout le monde, alors. Pour les quads, pour tout le monde. Comme ça, comme ça on n'est pas embêté. Parce que les commissaires, après, sinon, ils savent pas. Ils vont faire cette situation pour toutes les races. Pour les courses annexes aussi.
Putain, mais t'es miroir. Attends, mais ça souffle. Oh, il est miroir. Mais. Je suis fou, quoi. Mais non, mais sérieux, attends, s'il faut l'arracher. Mais non, faut pas. Là, 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 là. Là. Là, quoi? Ah, c'est discret, putain. Ah, ouais, mais j'ai une aide de soleil aussi. Ouais. Okay. Oh là là. Oh, il y a pas de soleil. Un peu d'or pour attirer la victoire. Quoi? Très fier de pouvoir vous aider, merci de votre confiance. Il y a une tenue en plus, non? Ça biche. Ah, c'est avec une impulse en or, non? Je pense. Attends, je sais pas à quel jet. C'est le mien. Ah, c'est ça, c'est avec l'impulse en or. Ah la vache. Ça biche quand même. Hein. Ah la vache. Ah, c'est beau. C'est un radeau. Hein? Ouais. Ah, c'est joli. Ça claque. Ah ouais, grave. So, 3, 2, 1. Salut à tous, Kylian Prunier du 7 Quartier Prunier. On est ici à Plomion pour la troisième épreuve du championnat du monde. Et on espère vous voir très très nombreux sur le bord de la piste pour nous encourager et encourager évidemment les autres Français. Perfect. Well said. La France. Imagine, je lâche, il tombe. Ouais, bah non, t'es vite. Pin-up est pire qu'une mariée. Et pêche pendant qu'il y a un rayon de soleil. What's your biggest joke? Bonjour. 10 minutes. 10 minutes. And fire. Yeah. Et ton frère, il apprend l'anglais, les chiffres. 1, 2. He's learning English by the only by number. 1 minute, 2 minutes. Yeah. Yeah, he's learning English like this. Ah. Thanks to you. Oui. 11 minutes. 11. 13 12. Minutes. 12. Ah. Even faster. Yeah. Il y a quelques
changer. Les Liébardis sont en cours chrono, le 11 est en cours chrono. Et Sanders, je pense qu'il va refaire aussi, là il est reparti. Et il vous reste 20 minutes. Bon, on va y aller. En gros, il vous reste un tour et un tour chrono. C'est quoi, Evan, leur pneu? Hein? À Liébardis, c'est quoi leur pneu arrière? Je sais pas, je crois que c'est un gros méfaux. Pour le hardpack. Oh, mais t'inquiète pas, il a regardé pendant une demi-heure là ou avant pour savoir ce qu'on avait. Peut-être une petite seconde, hein, voilà. Une demi-seconde. Il vient pour frapper sur vos sauts. Tu sais que toi ça va te secouer la gueule sur le premier saut à plat là-bas en revenant là. Parce que là, si tu veux faire une chrono, t'as pas le choix. Le petit camel de merde qui a tendance à taper la croix. Avant, t'as des voix, alors descend. Reviens pas trop tôt, ça avait tendance à m'emmener. Ah ouais. C'est vrai ? Ah ouais, on a parlé là. Vous avez vu là-bas, avec leurs nouveaux équipements jaunes, les équipements qu'ils ont inaugurés justement pour cette épreuve de plongeon. Je vais vous montrer comment vous faire.
On va surveiller après Hermann surtout. Quoi. Et là, t'as le Liébardus qui vient de repartir. Hermann, on surveille, mais c'est surtout derrière Hermann que je veux surveiller. C'est pas grave. Mais vous regardez. Mais ouais, il va regarder. Il faut qu'il me dise parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des fois, ils sont loin. J'ai... T'as vendu mes gamins? Ouais, nous sont là-bas. Comme je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Et non, on n'a pas le droit de passer, nous, je crois. Mais comme j'ai l'habitude, moi, d'y aller, j'ai failli y aller par habitude. Non, toi, t'as. Non. Moi, je peux? Je sais pas. Ah bah alors si même vous savez pas, mais bon. Pour l'instant oui, mais quand la fille va arriver, à mon avis, ils vont... Ouais. Mais là, si tu veux aller... Ah non, mais je m'arrête moi, je rentre pas sur le... Je m'arrête là. Ouais, mais non, je rentre pas dedans. Ça, je sais, je rentre pas. Que ma boule à l'estomac est... Elle est grande. Mais je crois bien qu'on a la même. Après, moi, je roule pas. Mais cacamo? Non, là, c'est non. tout pas bien là. Il y a un truc. Faut que la grille elle se baisse. Quand la grille elle est baissée, c'est bon. Ça va mieux. Hein. Kylianne, avance un petit peu pour que les autres puissent passer, peut-être. Ça va la piste, un peu arrosée par rapport au spot. Déjà, en tête du classement,
deuxième manche au Portugal. Bravo les gars! On y a, eh, on y a cru, hein? Je crois d'avoir essayé. Ah putain, il y a un double. T'as été gentil là-bas. Hein. Ah, je suis content que cet effet. Hein. Ah, mais je peux lui laver l'inter. Ah, là, du moins qu'il a l'inter, je peux rien y faire dans le verre. L'autre, il me regarde de partout, elle en fait du viage. Et tout le temps, il me regarde. Ah, putain, je vais tout peu là. De toute façon, maintenant, il est habitué à la boue, alors... T'y vas pas, toi ? Ouais, je vais faire un tour. Ouais, mais t'auras le droit de rentrer, là ? Alors ? Ça donne quoi ? C'est gras. C'est très gras ? Attends qu'il y ait les ordinateurs qui arrivent. Une patinoire devant chaque saut. Ouais. Là, c'est... Support races, and we see after. Yeah.
Yeah.
leur meilleur résultat en championnat du monde. Comme signé, bravo à vous les gars. Ah, le public français est attendu. Ils ont répondu présent, excité, ils l'ont dit. Thank you.
Thank you.
prix en plus en France. Une manche, hein. Ouh. On cherche aussi le car. Une place. Je sais pas qui est-ce qu'on va appeler, alors je regarde ma liste. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ceux, vous vous souvenez, si vous étiez là pour notre premier Grand Prix en 92 avec la victoire, la première victoire d'Yves Demaria en championnat du monde. Eh bien, à nouveau, Plomion va couronner pour la première fois des Français. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour... Il doit avoir lui aussi le sourire, parce que c'est le président de la FFM, de la Fédération Française, Sébastien Poirier. Et il est revenu, et il est français.
C'était leur première cérémonie du champagne et puis ça fait plaisir de voir Kenyana et Fouillé.